Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Hugus. Hugus, vous avez kiffé Hugus, il avait montré des niveaux de jeu impressionnants. Je vous remets des anciennes vidéos qu'on avait tournées avec lui en description si vous avez envie d'aller checker. Mais en tout cas, il est super réfléchi, vous allez voir, de toute façon vous allez vite découvrir. Il nous a contacté, il est en 9-0 en super défi, il joue du deck Valkyrie Ballon Bourreau. Donc évidemment, un deck qui est là aussi pour aller tacler un petit peu le golem d'élixir. Bienvenue à toi Hugus. Ouf, ça c'est du bourreau comme on les aime. Ok, Valk, pardon, mon masque. Ça va pas être facile, je pense. Je me demande si c'est pas une version cochon, ça. J'attends de voir. Non, mineur, ok. Ouais, oh, la défense est belle, hein. Bien joué. Ça risque d'être chaud. Ouais, c'est ce que je me dis, ça risque d'être compliqué, parce qu'il a mousquetaire, boule de neige, donc déjà, c'est deux des pires cartes contre ballon, si ce n'est les deux pires. Et en plus, il a le mortier et les battes. Il a l'air d'avoir un hard counter, quoi. Ça va être chou patate. Ouais. Ouais, bref. Ok, le meilleur qui revient à gauche. Je vais attendre que ça focus, sinon je... Ouais, non, clairement. Bon. Ça va être dur. Il y a... Je pense que ouais, non, ça va être super dur ce match-up. Hein. Il a tout vraiment pour t'en aider. Il a l'air de bien jouer. Carrément, carrément. Ouais, c'était très propre hein, son début de partie. De toute façon, en x1, ça va être d'autant plus compliqué pour toi de passer. Là, je vais attendre, je vais rien. Oula, est-ce que j'ai bien passé ma pièce? J'ai peur. Ah, oh, ok, c'est bon. Ouh, c'était chaud, patate. Je pense que je vais juste partir en ballon. Hein. Ouais. Je pense que je fais ça. Ok. Excusez-moi. Je vais... Il joue super bien. Ouais, c'est très très propre encore une fois hein, ce qu'il a fait. Puis ça gratte bien, hein. C'est vraiment du dégrattage qu'il a en plus. Ok, là au moins t'as Val qu'elle va prendre direct l'aggro, mais elle va vite le perdre. Ok. Bat, ouais, c'est sûr. Oh, c'est tellement bien joué ce que tu viens de faire. Voilà, il a toujours quelque chose. Impossible. Quel relou. Bon, au moins, il perd son mortier là-dessus. Ok. Ok. Bat, ouais. Donc il va remusk, il va sûrement battre. Quoi? C'est-tu pas le mousquetaire? C'est pas grave. Bah la bombe la tuera, mais effectivement, derrière il va te regretter en plus ses minières. Oh la bête. C'est match up impossible que tu te manges, Hugus. Genre, y a rien à faire là-dessus. Hein. Oh, la galère, quoi. Ouais, non, tu peux rien faire. c'est juste pas possible. Pareil que le fait qu'il joue boule de neige, tu sais, c'est quand même pas la carte la plus jouée et c'est quand même la meilleure carte contre ballon. Yeah, c'est pas fini. Bon, je... Ici, coup poison. Ah, d'accord. Ouais, mais 27. Oh, ça va, c'est pas grave. Mais t'es bien, hein, t'es bien défendu. Hein. Oh. J'ai pas vraiment d'autre chose à faire. Bon, là, il a un truc aérien en moins dans sa main, donc s'il me tue. Ça m'embête un peu, ça. J'ai pas l'esprit. PK cache. Ah ouais, parce qu'il voit que t'as pas le bourreau. T'as plus les squelettes non plus. Ouais, excusez-moi, tu vas devoir remettre un bourreau là. Ok, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être gratté de l'autre côté. Ouais, c'est vrai, t'as mis un petit peu à droite. Alors. Qui joue?
Bah c'est du PK classique hein, apparemment. Dans la méta actuelle c'est fou hein, mais c'est ce qu'il joue. C'est Evie qui a décidé de mener. Ok, ouais nickel, le petit bourreau qui va aller chercher le Royal Ghost tout tour. Là du coup t'as un Delex d'avance, bon c'est à peu près autant quoi. Voleuse. J'ai pas joué trop agressif, je sais pas encore ce qu'il a. Bah ouais, la question est-ce qu'il joue les. Bah il joue les gargouilles je pense. C'est le principal contre, c'est les gargouilles et électro-sorciers contre toi. Parce que là il doit jouer gargouille et poison sur les deux dernières cartes qu'il a. Ok, électro-bizarre, donc il restera plus que les gargouilles désormais contre le mage. Je sais pas si c'est un truc sur lequel tu peux punir sa pose d'électro-bizarre. Ok, PK fond map. Du coup il a plus que les gargouilles normalement, récemment. Ok, sorcière. C'est encore pire. Ouais, c'est clair. Après le bourreau, il... Ah, il bégaye. Ok. Bon, c'est mort à la tour, je crois. Tu penses? Ah, celle de droite, ouais, ouais, c'est sûr. Non, clairement pas. Hein. C'est intéressant ces dérachements là, j'avais jamais vu. On est tombé que sur des trucs nouveaux, c'est marrant. Bon, là, tu vas pouvoir tout défendre, mais il reste plus que 24 secondes donc il faut réussir à passer derrière. Après, il a plus la sorcière, hein. C'est un timing, hein, je pense. Je sais pas. De toute façon, t'es obligé de tenter, hein, quoi qu'il arrive. Ah, tu connectes hein. Oh, le try de Valkyrie. Oh, oh c'est ça. Ok. Voilà, tu vas devoir mettre squelette, bourreau, etc. Mineur. Oh la vache. Je crois qu'il va mettre électro au middle. Ouf. Ah, c'est chaud. Ouais, ça peut aller très très vite. Hein. Ok, super. Très propre. Wouh! Ok, tu tiens, tu viens l'autre jour. Il va ressortir là, ouais, c'était sûr. Oh, c'est très intelligent ce que tu viens de faire. Faire gaffe à sa voleuse quand il la récupère aussi. Hein. Là, il a la voleuse en main, il peut la poser dans le pocket. Hein. Il la pose. Parfait. Le bourreau qui part à côté. Ok. Il va récupérer sa voleuse bientôt, là, maintenant. Yes. Oh mon dieu. Le bordel. T'es tellement bon. C'est pas vrai. C'est genre la partie la plus belle que j'ai eu l'occasion de voir depuis au moins 1000 parties, quoi. T'as tellement bien joué. Putain, 770e mondial, mon prochain. Oh là là, mais c'était tellement chaud ce que t'as fait. T'es tendu. Parce que pareil, hein, les voleuses, fallait les gérer et tout, tu vois. Tu fais un oubli sur une voleuse, tu. Waouh. Voilà, là le mineur MVP. Hein. Oh. MVP mineur. Oh là. Les squelettes aussi. Monstrueux. Oh là quoi. Là. Allez, je relance. Ouais, vas-y, vas-y. Ok, lui il attend. Tornade, ballon, zap, bourreau. Qu'est-ce que tu penses de ce deck contre les decks sapeurs? Bah, j'ai pas eu l'occasion de tester contre sapeurs, mais. Ouais. Ça dépend en fait, parce que les sapeurs ils cyclent très vite. Mm-hmm. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais mettre un mineur. Les pompes, on a plus beaucoup dans la méta. Ça. Non, il n'y en a pas. Personne ne joue pas. Non. Ok, Bio Dragon, donc sûrement une version Gomme d'Elixir. C'est que je suis.
Ouais, sûrement la version Golden Elixir Pêcheur. Ça peut être GR hein, aussi. Hein, mais... Il était pas mal son pêcheur, je crois. Ouais, quoi que non. Les sorcières. Là, je vais mettre un bourreau et... Bah là, il a plus les dragons, il a plus la sorcière. Hein. Eh ouais, mais le bourreau, regarde, il est handicapé. Il galère, c'est pas facile d'être un bourreau. C'est pas facile du tout. Donc là, il a quoi? Il a la sorcière de la nuit, le globe d'élixir et Zapier. Ok. Ah, Electro-Wizard aussi, ok. Là, j'ai tombé à temps. Oh là là, ça va être chaud. Ah, oh, bien joué, ces squelettes. Tellement bien joué. Ah, oh, par contre, j'ai Glam DX. Ah, il est fort, c'est avec un poison. Hein. Je sais pas si c'était une bonne idée de sa part. Ok. Oh, le bourreau il survit. MVP le bourreau. Ok. Ah là, il pourra pas l'empêcher. Hein. Il pourra vraiment pas empêcher le ballon de connecter au moins une fois. Deux fois d'ailleurs. Il reste 16 secondes, hein. Si t'arrives à def 16 secondes, c'est gagné, hein, parce que ton ballon est fini à droite. Parfait. Oh là là, Ugus! Le 11-1 qui passe! Énorme! Ouais, ce qui est important ici, c'est vraiment les attaques qu'il a fait, hein. Faut pas hésiter à être agressif. C'est un deck défensif, mais faut pas hésiter à balancer des pêches comme il a fait, hein, avec Valkyrie Ballon, de la pression. Mineur. Potentiellement un deck sapeur. Oh, ouais. Peut-être un deck miroir. Non, je pense que ça sera la sorcière. Ça va être sorcière sapeur en fait. Ou archer magique. Là, je vais mettre mineur. Archer magique, ce serait problématique ça par contre. Ah, ah oui, t'as raison, c'est un deck miroir. Je pense pas que son ballon était bien ici. Ouais, je pense pas non plus. Bah, surtout que t'avais le bourreau en main. Après, il pouvait s'en douter vu qu'on est parti. J'hésitais après shot des squelettes, non. Ça va peut-être dur. Voilà, le mineur il va tout le temps mettre là. Parce que dans tous les cas. Bah, il veut pas se faire activer le roi. Il veut pas que tu t'envades, évidemment. Pour l'instant. Là, pour l'instant, j'ai une chose à faire, c'est garder ma tour. Ouais. Et mon bourreau, bien sûr. Ok, par droite. Oui. Ouais, c'est bien joué. Ah, ça connecte, hein. Ouais. Vous avez autant d'élixir, là. Damn. Ok, vous arrivez dans le fight 2. Lui il va activer le roi du coup, parce qu'il fait rien d'autre, hein, donc c'est qu'il va activer, donc tu peux... Oh, il va quand même y avoir les dégâts de mort, hein, donc c'est-à-dire que dans... Un coup de deux coups de mineur ou un deux zaps, c'est fini. Oh, tellement bien joué, t'as réussi à prendre l'aggro du bro. Là, il va quand même devoir Tornal.
Mais non, mais non, bordel. Mais non. Mais c'est pas vrai. Oh putain. Ah là là, je suis mort de rire. Mais c'est pas vrai. Oh putain, je vais rouler la game. Oh, il l'a mérité tellement, le pauvre. Mais bien sûr. Mais what the fuck. Mais Charty, la tête. Mais comment tu fais? Ah mais c'est pas possible, c'est la meilleure vidéo qui passe sur ta chaîne, là, c'est sûr. Mais comment tu fais, Hugues? What the fuck. Mais je bégaye, voilà, je bégaye. Je me suis dit, il me reste une chance, monsieur. Mais je suis pareil, tu vois, je vous ai pas parlé, je me dis, ok, attends, laisse-le se focus, on parlera après, mais what. C'est à celui qui met le mieux sa tornade. Bon, voilà, c'était Hugues. Oui, vas-y, explique. Hier, j'étais stressée, je me suis dit, imagine, je fais 9-3. Oh bah, ça arrive, en fait, non, j'ai proposé du beau jeu. Waouh. Puis en plus, tu sais, t'as mis ce soupçon de suspense. Alors, je mets mon bâtiment à moins de 100 HP, et après... après, je... Non, mais c'était prévu, ça, c'était prévu. Ah oui, d'accord. Ah oui, bébé, je comprends. Ouais. Waouh. Oh mon dieu, quoi. En miroir match-up, franchement, c'est rare. En miroir match-up pour les 12, j'avais combien de chances de me le prendre, ça? Ah, c'est clair, parce qu'il tourne pas beaucoup, ce deck. Hein. Il y en a très très peu dans la méta. Oh. Ok, bon, j'espère que vous avez kiffé, hein. Ouais. Évidemment, alors juste un petit truc de fin, qu'est-ce que tu penses du match-up de ce deck contre les decks, justement, mineurs, archémagiques, sapeurs? C'est compliqué? Bah, en vrai, t'as pas grand-chose pour... En fait, j'ai jamais vraiment joué le match-up, mais je pense que c'est compliqué parce que t'as pas grand-chose pour tuer l'archémagique. Ouais. Et ils ont des petites troupes, ils cyclent super vite, c'est très très embêtant, je pense. C'est possible de gagner, mais c'est très très embêtant. Ok, je pense. Ouais, je vois. Wow. En fait, c'est embêtant tout le temps, ces decks. Ok. Bah écoute, merci beaucoup, Hugues, hein, du coup, d'être venu sur le channel. Ça fait super plaisir. En plus, c'était c'est très jolie vidéo. Avec plein de rebondissements. Donc, évidemment, si vous êtes cardiaque, j'espère que vous êtes encore parmi nous. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et prenez soin de vous.